Nous sommes revenus ce soir sur la fin de débat sur des thèmes qui touchent tous de près plus ou moins et l'autre. Sur ces thèmes, nous pensons que la réponse que nous pouvons tous apporter pour résoudre ces problèmes, c'est l'engagement politique, donc de l'intermédiaire de l'association Objectif 21. Je vais vous présenter ce soir les membres de l'association. Ensuite, à ses côtés, Ousmane Césaire, qui est vice-président de l'association. Zéna Magloma, qui est chargé aussi des relations externes. Thierry Schkan, qui est secrétaire de l'association, secrétaire général. Vice-président. J'ai pas bien réalisé. Peut-être léger. Et tous les autres qui sont venus, tous les autres invités. C'est pas ça. Il faut que l'image qu'il se voit, qu'il change. Comment on peut changer? L'objectif aujourd'hui, on va décider d'informer les gens, parce que sans politique, on ne peut rien faire. Si vous voulez changer quelque chose, nous aujourd'hui, le changement que se doit faire, c'est pour expliquer plus détaillement le fait de pouvoir être présent là, et ça nous fait bon plaisir de vous accueillir sous le fort de l'objectif 21. Merci beaucoup. Merci. On va vous présenter notre association. Dans notre ville, Clichy-sous-Bois. Donc on voit déjà depuis 1958, allant de 18 à 34 ans. Donc nous, notre objectif, c'est de toucher un peu cette population. Et surtout, enfin, ce qui est très... l'abstention est surtout départementale dans notre département Seine-Saint-Denis. On est à 51,17% d'abstention, avec la bonne volonté, bien sûr. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre conseil, les équipes, notre association, administration et juridique. Donc, moi, je fais partie du pôle administration. Dans mon pôle administration, nous avons plusieurs branches, comme la branche finance, moyens matériels et techniques, admission et secrétariat direction. Ensuite, comme vous pouvez voir, c'est pas très net. Dans les différentes branches, on a encore d'autres branches. Ensuite, pour pouvoir optimiser nos projets, nous fonctionnons sur différents projets. Donc chaque projet est travaillé avec les différents membres de notre équipe. C'est pour cela que comme on est tous, chacun à son travail, pour pouvoir soulager tout le monde, on essaie de procéder sous forme de projet. Donc chaque projet est développé par le parc de pôle développement. Qu'Objectif 21 va mettre en place pour les intéressés. Nous avons deux sortes de formations, les formations générales et avancées. La formation générale est pour tout le public, pour ceux qui sont un petit peu intéressés, qui se posent la question de ce qu'on fait. Donc nous mettrons en place, par exemple, des informations, des cours sur l'aménagement urbain, politique des transports publics, le développement social urbain, la construction urbaine et les collectivités, etc. La formation avancée, qui est dans la politique et qui voudront, par exemple, être parmi les élus, etc. Donc nous allons des préparations campagne électorale, la prise de parole sur des cours qu'on mettra en place, le media training, les mécanismes et procédures de campagne électorale. Et on a des visites, des lieux. Vous avez commencé à débattre sur les sujets qui vous touchent particulièrement. Nous, notre liste, notre conseil municipal représente notre population en termes de quartier, en termes de jeunesse, en termes d'origine, parce qu'il faut le dire aussi, parce que je crois qu'ici, c'est un peu ce qu'on sous-entend, parce que j'entendais que c'était ouvert à tout le monde. À mon avis, dire que voilà, il faut des quotas, il faut 5 Turcs, 3 Arabes, 2 Noirs. Je suis aussi conseiller régional Île-de-France et ça fait maintenant, donc depuis 2001, pendant 7 ans j'étais conseiller délégué à la petite enfance et donc depuis 2008 adjoint jeunesse et sport. Alors moi, par rapport à ce qui a été dit par rapport à Objectif 21, ce que j'ai bien compris, c'est
notamment par rapport aux tableaux qui ont été présentés sur l'abstention. L'idée, c'est d'inciter les jeunes et les moins jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Il faut effectivement les inciter à s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre pour qu'ils puissent voter l'année prochaine aux élections municipales. C'est important de se sensibiliser pour dire qu'on n'est pas tous pareils. Tous les politiques ne sont pas tous, entre guillemets, pourris par rapport à ce qu'on peut voir à la télévision et tout. On n'est pas tous élus d'un qui habite pas la ville ou qui sommes d'un quartier et on s'en fout des autres quartiers. On est le prêt de cette salle, parce que je vous rappelle que si on est dans une réunion électorale, il faudra, puisqu'on est dans les un an qui précède les élections municipales, inscrire le prêt de cette salle dans vos prêts de campagne. Parce que sinon, c'est moi qui suis dans l'illégalité. Mais j'ai bien compris que ce n'était pas le sujet. Alors, d'abord, je voudrais vraiment vous remercier de notre invitation, vous dire que, évidemment, pour le maire de Clichy, que des citoyens qui choisent ou d'ailleurs s'intéressent à la vie locale, c'est très important. On y travaille avec Ali depuis très longtemps maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et son engagement politique, il n'a pas raconté son parcours, mais son parcours, c'est un parcours de militant associatif, comme celui de Dumour, comme celui de... je ne me rappelle plus de ton nom. Non, je déconne. On a fait un choix politique, on a mis moins d'argent dans la voirie, on a mis moins d'argent dans un certain nombre de projets, parce qu'on a fait un choix de faire à Clichy pour tenir des difficultés, comme on peut qualifier un élu issu de la diversité. Mais là, ses familles étaient d'une immigration récente, et ma grand-mère, quand elle est morte, elle parlait encore que hongrois, donc je parle aussi un petit peu l'hongrois. Et ça, c'est sa vie personnelle, mais de nous voir il y a, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans maintenant, en 2000, bien sûr, mais voilà. Après,